c'est un instrument qui s'équilibre, qui descend par son poids, enfin, la différence entre son poids et la densité de l'eau. Et donc, comme l'eau est très peu dense, parce qu'il y a peu de sel là, on est en train de changer l'équilibrage. On lui met un peu plus de flottabilité pour qu'il soit moins lourd. Tu peux me présenter cet appareil, comment il s'appelle et à quoi il sert? Ouh là là. Claudie, toi qui viens de la voie d'optique. Alors c'est un radiomètre qui va mesurer l'éclairement à la fois descendant, puisqu'on a un capteur qui regarde vers le haut, et un capteur et la radiation qui remonte, parce qu'on a un capteur qui regarde vers en bas, et on a une référence en haut du mât là-haut, et qui nous permet donc de faire la mesure. On fait une mesure simultanée, on va déployer ça s'appelle un SIOPS, et on va le déployer à l'arrière du bateau, il va se stabiliser en surface et descendre de son propre poids, par son propre poids. Il ne faut absolument pas qu'on ait la moindre traction sur le câble, donc c'est une manœuvre qu'on fait avec uniquement par mer calme, parce qu'on fait également une mesure de ce qu'on appelle le pitch and roll, donc il faut vraiment qu'il soit très très bien stabilisé, sinon les mesures sont rejetées. Donc en fait, on équilibre la flottabilité au milieu et on a à l'est et une flottabilité variable ici qui vont nous permettre de le caler comme ça. Il faut qu'il soit parfaitement à la verticale, à 1 degré près, mais parfaitement à la verticale dans ce sens-là aussi. Et donc, comme tout a changé là, on va être obligé de tout changer, de tout régler. Pourquoi tout a changé? Parce que l'eau n'est pas salée. Parce qu'au lieu d'avoir 35 grammes de sel par litre, on en a 20. En surface, après ça... Ça y est, j'ai la tension, il doit remonter là. Il est là. Hop.